messieurs, bonsoir. Anticipativement, je vous présente mes voeux le meilleur pour la Noël, la Nativité, le Nouvel An, si on ne se revoit pas entre-temps, pour un autre exercice de ce genre. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Donc ce soir, nous allons faire un focus, une plongée sur les jeunes. Parce que, comme le président de la République, le Premier ministre en a déjà parlé, le principal bénéficiaire de l'action gouvernementale, c'est les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui constituent la majorité de la population en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le gouvernement Samalou Kondé fait pour le jeune? C'est la question principale à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. J'ai le privilège donc d'apporter pour vous, dans le cadre de cet échange, le ministre d'État, ministre des PME, Maître Stache Mouandi, qui est en charge des questions de jeunes spécifiquement, pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'accès au marché. Vous avez sûrement entendu parler du projet PADEM PME, vous avez sûrement entendu parler du FOGEC. Quelles sont les initiatives que le gouvernement a mises en place pour accompagner les jeunes Congolais qui ont des idées, et comment le gouvernement s'assure, notamment dans les provinces minières, que les jeunes aient accès aussi dans les marchés qui reviennent dans ces domaines qui est largement dominé par les expatriés. Voilà, c'est sur quoi, c'est dont on va parler ce soir. Monsieur le ministre d'État, je vous remercie de vous prêter à cet exercice de redevabilité. Je voudrais tout de suite vous donner la parole pour vos mots introductifs qui permettront aux journalistes d'affûter leurs questions pour que nous puissions, pour que vous puissiez donner l'éclairage nécessaire et pour que le jeune Congolais qui nous suivent à la maison sachent que c'est à travers leurs idées que le Congo se développera. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Merci, cher Patrick. Merci, chers collègues, pour l'opportunité que vous me ferez ce soir. Cette opportunité de redevabilité, vous l'avez dit, de parler non seulement de jeunes, mais aussi de femmes, mais également de PME. Parce que c'est vrai que le thème principal de ce soir, ce sont les jeunes, mais je suis ministre de l'entrepreneuriat et ministre de petites et moyennes entreprises, et qui par l'entrepreneuriat voit bien sûr le jeune homme et femme, parce qu'effectivement au niveau du gouvernement il existe plusieurs programmes, mais qui se déclinent ou qui sont sous-tendus par un programme principal, le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Et ce programme permet effectivement l'entrepreneuriat de jeunes, hommes et femmes, mais aussi de PME dans son ensemble. Ce programme a trois déclinaisons principales. Il faut permettre aux jeunes d'accéder à la formation, parce que pour être entrepreneur, il faut être formé. Il faut permettre aux jeunes, aux femmes, aux PME d'accéder au crédit. Et enfin, la troisième déclinaison, il faut permettre aux PME, aux jeunes et aux femmes d'accéder au marché. Donc, ce programme national du développement de l'entrepreneuriat, comme je le dis tout à l'heure, se résume donc en ces trois concepts-là, l'accès à la formation, l'accès au crédit et l'accès au marché. Si vous permettez, je voudrais pour les téléspectateurs qui nous suivent que j'explique un peu plus ou moins ce que c'est que l'accès. Chaque accès. L'accès à la formation, c'est que une entreprise ou un jeune, homme ou femme, doit être formé, doit savoir comment j'ai fait mon business. Il doit être formé. Et nous avons des structures qui sont dédiées à ces tâches-là. C'est l'OPEC hier, devenue Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, ANADEC. Cette structure vous permet de vous suivre, de vous encadrer. Parce qu'une PME ou un jeune entrepreneur doit pouvoir quitter l'informel vers le formel. Et pour pouvoir quitter l'informel vers le formel, il faut être formé. Un jeune doit pouvoir savoir tenir sa comptabilité. Il faut être formé. Un jeune doit pouvoir présenter son business plan. Il faut être formé. C'est ça l'accès. Il faut d'abord, c'est par là même qu'on commence, accéder à la formation. L'accès au crédit. Aujourd'hui, le gouvernement a un programme qui aide les jeunes, qui aide les femmes, qui aide les PME à accéder au crédit. C'est principalement le projet
de développement de micro et petites et moyennes entreprises. PADEM-PME. Ce projet existe. Il existe dans 4 villes. À Goma, à Lubumbashi, à Matadi et à Kinshasa. Et c'est l'occasion de rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent et aux jeunes, femmes et PME que ce projet a permis d'encadrer et de suivre et de donner des subventions à près d'un millier de jeunes cet exercice cette année 2021. À près de 430 PME congolaises, des milliers de femmes sont en train d'être formées et vont pouvoir aussi accéder à l'appui du PADEM PME. L'accès au crédit, c'est aussi le FOGEC. Le gouvernement a créé, il y a peu, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais. Ce fonds va permettre demain, toute PME ou tout jeune qui a un projet, d'avoir une garantie, de garantir le crédit que ces jeunes ou que cette entreprise peut obtenir au niveau de banques commerciales. Je parlais aussi de l'accès au marché. La loi sur la sous-traitance consacre l'exclusivité de cette activité aux PME, aux entreprises congolaises. Et il y a peu, je crois, les téléspectateurs ou les, disons, le, ceux qui sont du monde de l'écosystème entrepreneurial devraient m'avoir vu à Kolwezi, à Lubumbashi, à Goma et à Matadi, où je suis allé sensibiliser toutes les entreprises congolaises, les grandes entreprises, les grandes firmes qui évoluent dans notre pays, les sensibiliser sur la loi sur la sous-traitance, qui est une activité exclusivement congolaise, parce qu'il faille que ces grandes entreprises donnent le marché à nos PME congolaises. Donc voilà, chers collègues, chers téléspectateurs, les grandes déclinaisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, accès à la formation, l'accès au crédit et l'accès au marché. Ce sont les 3 grandes lignes du programme national de développement à l'entrepreneuriat, PRONADEC, qui est le programme du gouvernement congolais pour accompagner les jeunes et les PME congolaises. Sinon, je reste à la disposition des chevaliers de la plume, de la presse, qui sont face à moi pour répondre à leurs préoccupations et éclairer la lanterne des téléspectateurs et des jeunes qui nous suivent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, pour vos mots introductif qui nous permettent d'avoir le maximum des questions de professionnels de médias. On va commencer par Didier Kebongo. Merci, Excellence. J'ai 2 petites questions que je vais adresser au ministre d'État en charge des PME. Après avoir constaté la réussite de cette phase pilote du PADME, la Banque mondiale s'est dit prête à déclencher la mise à l'échelle en intégrant d'autres villes. Mais le ministre des Finances, qui est notre gouverneur pays pour la Banque mondiale, doit adresser une requête de l'expansion du projet. Où en sommes-nous? Et puis, la deuxième petite question, la RDC compte 33 villes. Bon, mon ami Zami parle de 36. En tout cas, 33 villes. Le PADME n'a été implémenté que dans 4. Vous les aviez cités tout à l'heure, Lubumbashi, Goma, Matadi et Kinshasa. Maintenant que l'on parle de l'extension du projet, quelles sont les nouvelles villes qui seront couvertes et comment les détermine-t-on? Merci. Je vais tout de suite ou je... Mais allez-y. Merci. On répond au tic au tac. Très bien, merci. Oui, nous sommes en pourparlers avec la Banque mondiale, notre partenaire technique, le partenaire technique et financier du gouvernement. Après... Ce projet, le projet, c'est un projet pilote. Il va de 2018 à 2023. C'est un projet pilote sur 4 villes. Les villes que nous avions citées, Goma, Matadi, Lubumbashi, Kinshasa. Enveloppe 100 millions.
Mais de nos pourparlers en cours avec la Banque mondiale, il est acquis déjà que le projet sera étendu à un certain nombre d'autres villes, à d'autres provinces, et que l'enveloppe sera aussi, le portefeuille sera aussi amélioré. Quelles sont ces villes? Je ne suis pas à même présentement de pouvoir vous dire quelles sont les villes exactement, mais il est des critères. Même les quatre villes qui avaient été choisies au début du projet pilote, il y avait des critères. C'est notamment des critères tels que il faut un tissu de PME existant déjà dans une ville. Il y a des villes où effectivement il est difficile d'avoir à ce jour 1500 ou 1000 PME. Vous n'allez pas comparer Kinshasa à Boumé. Bon, pardonnez-moi de citer certaines villes comme ça, mais c'est une réalité. Ça, c'est un critère. Il y a un autre critère comme la disponibilité des infrastructures. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous recherchons? Il faudrait de la valeur ajoutée par rapport aux activités que nous soutenons. Parce que pas d'un PME, c'est dans trois secteurs particuliers. L'industrie légère, l'agro-industrie et les services, à part le commerce. Il faut aussi que dans ces villes-là, il y ait des infrastructures industrielles qui puissent nous permettre effectivement d'avoir cette valeur ajoutée par rapport aux services que les CPME prestent. Donc voilà par exemple trois critères qui vont nous permettre demain de savoir si nous allons à Boende, à Ngandajika, à Mbujimayi, à Kananga ou à Boma, ou pourquoi pas à Lissala. Donc pour l'instant, je ne sais pas vous dire dans quelle ville, dans combien de villes, et dans, je crois peut-être une dizaine de villes, je l'espère, nous avons 33 villes, mais nous sommes en discussion avec le partenaire Banque mondiale, et nous serons à même de pouvoir vous répondre dans les semaines qui suivent combien de villes et quelles villes, mais là j'ai esquissé quelques critères qui concourent à la sélection des villes. La requête a été déjà faite au niveau du ministère de l'entrepreneuriat. Le ministre de Finances, vous l'avez dit, celui le gouverneur pays, à son niveau, c'est à son niveau que la requête devrait aussi devrait être envoyée au niveau de la Banque mondiale pour l'extension et des villes et de l'enveloppe. Voilà. Ok, prochaine question. Donnez votre nom et les noms de votre organe, s'il vous plaît. Voilà, merci Excellence pour la parole. Je suis Blanc Ferré du journal La Prospérité. J'ai une seule question que j'adresse à votre collègue, le ministre d'État en charge de PME. Excellence, lors de la 33e réunion du Conseil des ministres, vous avez présenté au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement le rapport d'opérationnalisation du FOGEC. En quoi votre collègue, ce projet vise l'entrepreneuriat de jeunes. Qu'en est-il exactement? FOGEC, c'est un projet FOGEC, oui, voilà. L'entrepreneuriat, bon, okay, très bien, plutôt, merci. Merci la prospérité. Le FOGEC, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des instruments du PRONADEC, le Programme National de Développement de l'Entrepreneuriat, un des instruments du gouvernement qui permet aux PME, qui permet aux jeunes d'accéder au crédit, parmi les trois axes de déclinaison que j'ai présenté tout à l'heure. Et le FOGEC, c'est le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat de jeunes. Ça veut dire quoi de manière schématique et simple? Vous êtes jeune, vous avez une entreprise, vous voulez avoir des moyens au niveau d'une banque commerciale pour pouvoir développer votre projet. Mais quand vous arrivez au niveau de cette banque, on vous demande une garantie pour pouvoir vous prêter de l'argent parce que bon, la banque, elle ne prête pas au premier venu, voyez-vous. Mais maintenant, aujourd'hui, il est possible parce que vous, jeune, qui voulez monter votre business, vous n'avez pas de garantie que vous demande la banque. Aujourd'hui, l'État congolais a créé un service, le FOGEC, qui permet de garantir votre prêt, vous jeune entrepreneur, vous PME, que vous voulez obtenir auprès d'une banque commerciale. Ça, c'est la première mission du FOGEC. Garantir le prêt que nos PME, que nos jeunes vont obtenir demain auprès des banques commerciales. Mais aussi, FOGEC aussi a mission de pouvoir aider certaines entreprises, jeunes entrepreneurs, d'amorcer leur business. Donc l'État congolais peut apprécier en un certain moment qu'il y a une start-up X donnée qui est importante, qui a une vision telle qu'il faille l'aider tout de suite
à amorcer son business. FOGEC peut appuyer aussi cette action-là. Voilà plus ou moins les missions de FOGEC. Garantir le prêt que les PME, que les entreprises prennent auprès des banques commerciales et aider à l'amorçage de certains projets initiés par les jeunes et les PME. Voilà. Pichu Moulumba. Merci, monsieur le ministre. J'ai une seule préoccupation au ministre d'État. Je suis Pichu Moulumba du journal Le Potentiel. Je note, monsieur le ministre d'État, l'accès à la formation parmi les déclinaisons du programme de développement de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'il est possible, suivant ces programmes, de mesurer cet accès en fonction du temps? Concrètement, voulez-vous nous indiquer le taux d'accès des jeunes à la formation avant l'action de votre gouvernement? Je prends les 7 mois du gouvernement et les projections faites d'ici 1 année, 2 ans, bref, à court terme. Je crois que cet éclairage va nous permettre d'apprécier des avancées s'il y en a déjà dans ces programmes. Merci. Là, monsieur du Potentiel, vous me demandez d'évaluer plus ou moins la première déclinaison du PRONADEC, l'accès à la formation. Je vous ai indiqué tout à l'heure que nous avons tout un service qui s'occupe, et encore qu'il y en a même deux, le principal c'est l'ANADEC, Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat au Congo, hier OPEC. Nous avons aussi la PROSEM, l'Agence pour la Promotion des Classes Moyennes, à PROSEM, hier PASP. Les deux services là venaient de transformer depuis il y a peu les décrets du Premier ministre du 1er octobre hier, pour effectivement renforcer leur capacité à pouvoir former les candidats ou les entrepreneurs ou les PME. Il est bien possible qu'on évalue demain après-demain avec vous le niveau d'accès effectivement à cette formation avec des statistiques, mais que je n'ai pas, soyez d'accord avec moi, sur cette table, ces statistiques-là. Ces statistiques sont disponibles au niveau de l'ANADEC et au niveau de la PROSEM. Et il est possible que, si vous le souhaitez demain, qu'on ait une autre occasion plus élaborée pour qu'on rentre sur ces chiffres-là de statistiques. Alors, il faut préciser que l'ANADEC, c'est l'ancienne OPEC. Tout parce à que fait, c'est les, la dénomination tout à fait, tout OPEC, à fait connu. Okay. OPEC, c'est OPEC, ça, l'ANADEC. Oui. Madame fait. Et puis, on reviendra sur Madame Mireille Ndeke. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'adresse ma question au ministre de PME. Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi qu'entreprendre un RDC s'apparente à un parcours de combattant. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a plusieurs obstacles, notamment un environnement des affaires peu défavorable, des formalités administratives très lourdes et parfois même un contexte politique très difficile. Est-ce que vous avez élagué tous ces obstacles? La deuxième question, c'est que vous avez parlé de l'accompagnement de jeunes par l'accès à la formation, au crédit, au marché, mais en même temps, on sait que pour que ça puisse réussir, il faut qu'il y ait un changement structurel en profondeur. Il ne suffit pas seulement d'accompagner ou de sensibiliser. Alors, est-ce qu'il y a des politiques durables qui ont été mises en place, notamment, on va dire, est-ce qu'il y a un programme de bonne gouvernance qui est mis en place et des garanties administratives efficaces pour que ça soit une garantie pour que l'entrepreneuriat de jeunes en RDC prenne réellement corps? Merci. Merci, madame. Vous avez raison. Parce qu'effectivement, les 3 déclinaisons que j'ai présentées tout à l'heure, l'accès au crédit, l'accès à la formation et l'accès au marché, toutes ces 3 déclinaisons-là, que nous appelons les 3 C, reposent sur un grand C qu'on appelle les climats des affaires. On ne peut pas effectivement prétendre faire de l'entrepreneuriat ou faire de business dans un contexte où le climat des affaires, effectivement, n'est pas assaini. Et vous avez raison. Et au niveau du gouvernement, le ministère interagit. Au niveau du ministère du plan, le ministère du plan qui gère le climat des affaires, non seulement au niveau du ministère du plan, même au niveau du cabinet du président de la République, comme celui du Premier ministre,
il existe des cellules qui nous accompagnent, avec lesquelles nous travaillons sur le climat des affaires. Et il va donc de soi, et vous avez raison, que à ce niveau-là, au niveau de l'Agence nationale de la promotion des investissements, par rapport au code des investissements, il existe certains allègements fiscaux pour pouvoir créer des entreprises au pays, pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat. Au-delà donc de ces conditions nous offertes ou offertes aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs européens par rapport au code des investissements et la NAPI, le climat des affaires, nous avons proposé au niveau du gouvernement, nous avons déjà passé l'étape de la commission de l'ECOFIN, de projets de loi. De projets de loi sur le PME, sur les start-up, un autre projet de loi sur l'artisanat. Ces deux textes qui seront votés d'ici peu au niveau de la commission de loi du gouvernement avant d'aller au conseil des ministres et par la suite au niveau du Parlement, a prévu certaines dispositions qui demain vont pouvoir aider effectivement nos PME et nos jeunes à mieux s'exprimer, mieux faire leur business. Toutes ces dispositions-là, effectivement, on y a réfléchi pour assainir le contexte de travail. Donc, je me résume. Donc, il y a les deux lois qui arrivent, qui vont nous aider à cela. Et ce jour aussi, le code des investissements, la NAPI, le climat des affaires, comme cellule à la présidence, à la primature, au niveau du gouvernement, qui travaille. À propos du climat des affaires, s'il faut compléter le ministre d'État, vous avez suivi, le président de la République en avait parlé, nous disposons désormais d'un tableau de bord qui permet d'en assurer le suivi. Le climat des affaires, c'est 16 ministères qui sont impliqués de manière simultanée et c'est un programme qui est étroitement suivi à la fois par le président de la République et le Premier ministre à travers cet instrument. Et donc, vous avez raison de poser la question sur le cadre général de comment les choses vont se faire et nous sommes engagés, même si aujourd'hui le climat des affaires n'est plus, on n'existe plus de rapport doing business, mais nous y tenons en tant que gouvernement, pour être sûr que nous préparons le cadre d'abord pour permettre à nos jeunes de trouver de l'emploi, mais aussi pour permettre à tous ceux qui sont désireux d'investir en République démocratique du Congo de venir le faire. Je ne suis peut-être pas spécialiste sur le sujet, mais lorsque nous reviendrons avec Nicolas Kazadi, on vous parlera de l'amélioration de la note de la République démocratique du Congo sur ces questions. On va prendre, madame, si vous permettez, je vous en prie, collègue, monsieur le ministre. Autant vous rejoindre et vous compléter en disant que le ministère dont on a la charge, le ministère de l'Entrepreneuriat et PME, fait partie effectivement de ces 16 secteurs qui suivent avec boussole autour du chef de l'État l'amélioration de ces climats des affaires en termes d'assignation pour améliorer ces secteurs effectivement. Voilà, merci voilà. Madame Mireille, c'est la première fois que vous venez au briefing, madame Mireille. Je suis l'excellence, merci. Je me répète, je suis Madame Mireille Ndeke de la RTNC. Ma question s'adresse au ministre de PME. Excellence, j'ai deux préoccupations pour vous. La première, c'est par rapport à la loi sur la sous-traitance qui donne accès aux PME congolais de pouvoir bénéficier de financement. Mais on a l'impression que la réalité est tout autre parce que le PME congolais ne sont là juste comme étiquette. Ils ne bénéficient pas vraiment de ce financement. Ce sont plutôt des étrangers sous couvert de PME congolaises. Veuillez nous expliquer comment ça se passe et quelles sont les stratégies que le gouvernement a mises en place pour qu'on puisse bien respecter cette loi-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au renforcement de capacités. Là, je parle de votre programme sur l'implémentation des incubateurs et des start-up à travers la RDC. On a vu que ce programme est beaucoup plus focalisé sur Kinshasa. Que pensez-vous des autres provinces où les jeunes entrepreneurs veulent également apprendre et bénéficier d'un encadrement adéquat pour la promotion de leur PME? Merci. Merci, Madame Ndeke. Vous avez raison. On a l'impression que la loi sur la sous-traitance ne bénéficie pas encore aux Congolais. J'ai été interpellé d'ailleurs sur la question par une question orale avec débat au niveau de l'Assemblée nationale il y a cela 2 mois, parce qu'effectivement les élus nationaux s'interrogeaient aussi comme vous.
C'est vrai. La loi elle-même, elle est récente. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, c'est aussi un jeune service qui a à peine une année dans son opérationnalisation. Il vous souviendra que je venais de faire des déplacements à Kolwezi, Lubumbashi, Goma et Matadi pour effectivement sensibiliser les entreprises, les grandes entreprises congolaises, quant au respect de cette loi. Cette loi veut que la sous-traitance soit une exclusivité des sociétés, des PME congolaises à capitaux majoritairement tenus par les Congolais. Et j'ai reçu promesse de tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés dans les quatre villes où j'ai été qu'ils devraient s'aligner sur les dispositions de la loi. Parce qu'il est important que les PME congolaises accèdent à ces marchés, là je l'ai dit, c'est le troisième, c'est l'accès au marché, pour permettre demain de créer une classe moyenne congolaise. Une entreprise étrangère qui vient fonctionner dans notre pays a une mission précise. Il est obligatoire que les travaux de sous-traitance soient tenus par les Congolais pour que les capitaux que ces entreprises nous amènent au pays restent au pays. Et vous pouvez compter sur votre ministère, sur votre ministre. Le ministre s'emploie à cela et les mois qui suivent vont nous permettre, vous n'aurez plus à me poser cette question parce que vous vous serez rendu compte que, effectivement, et j'ai reçu promesse de tout cela que j'ai rencontré, que les PME congolaises auront voix au chapitre. Parlons de renforcement des capacités. C'est vrai que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Le pays est très vaste et pourtant il existe cet esprit entrepreneurial dans toutes nos villes et même dans toutes nos campagnes. Nous avons eu l'occasion de visiter quelques provinces. Nous allons nous déployer dans toutes les provinces. Et nos services au PEC Canabec aujourd'hui dont on parle, la RSP elle-même et même le FOGEC, du moins les deux dernières cités, ARSP et FOGEC, c'est des jeunes services qui viennent d'arriver. Et nous allons nous employer à ce que ces services aillent effectivement au niveau de toutes nos représentations au niveau des chefs liés de nos provinces, pourquoi pas au niveau de nos 145 territoires, pour qu'effectivement, à ce niveau-là, nous aurons l'occasion d'accompagner des start-up, d'avoir des incubateurs, d'avoir des centres PME. Ça rentre effectivement dans le plan d'action du PRONADEC et du ministère. Merci, Excellence. Voilà, prochaine question, Madame Mimi Ngumba. Merci. Ma question, je l'adresse au porte-parole du gouvernement. Oh. Monsieur le ministre, comment interpréter le séjour annoncé du chef de l'État dans le Grand Kasaï en ce moment où l'Est du pays est en proie à l'insécurité? Ouf. Alors, je crois que le président de la République, nous l'avions annoncé, je crois, que les jours qui viennent, le président passerait beaucoup de temps à l'intérieur du pays. Et ce voyage dans le Kasaï s'inscrit donc dans le cadre de cette volonté du président de la République d'être de plus en plus proche de la population. Et d'ailleurs, dans ce cadre, vous avez vu qu'il a clôturé il y a quelques heures la conférence de gouverneurs, la 8e conférence de gouverneurs, où on a passé en revue de manière générale la situation dans nos provinces. Alors, avant que le président ne s'y rende, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent parce que le président de la République est originaire de cette partie du pays. Mais je crois qu'ici, il y a lieu de comprendre que lorsque vous êtes président de la République, vous appartenez à tout le pays et que votre province d'origine, c'est d'abord le Congo. Et vous avez donc compris que les deux premières, l'essentiel du temps du président de la République a été majoritairement consacré à régler, à essayer de trouver des solutions pour le problème sécuritaire à l'Est. Mais les problèmes sécuritaires à l'Est demeurent, mais ceci n'empêche pas au président de la République de faire un clin d'œil aux autres parties de la République. Vous avez vu le Premier ministre, dans le cadre du projet des 145 territoires, aller dans la province du Kwango, aller
dans la province du Congo central. Et le président, cette fois-ci, il va dans le Kasaï. C'est aussi dans la suite de cette volonté d'aller à la base. Et donc, les questions de l'Est restent prioritaires. Elles seront traitées partout où le président se trouvera, y compris dans le Kasaï. Et dans le Kasaï, évidemment, comme dans toutes les autres parties du pays, il y a beaucoup de travaux à faire. Mais ici, je crois que le président de la République, sans anticiper sur ce qu'il dira, je crois qu'il expliquera ce qu'il est en train de faire depuis la prise de ses responsabilités, mais aussi les différents projets qui vont suivre, notamment dans le cas de 145 territoires, qui vont permettre d'amener les développements à la base. Merci. Ok. Merci pour l'escapade. On va prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Avant que la question arrive, chers collègues. Allez-y. J'ai l'impression que vous connaissez les noms de tous ceux-là qui nous posent des questions. C'est la preuve que... Les briefings est une tradition qui est devenue une famille parce que régulièrement nous voyons effectivement. Ah, ok. Merci pour la parole, Excellence. Merci. Je suis Jean-Marie Nkambwa du journal Avenir. Ma question est la suivante, adressée au ministre d'État en charge des PME. C'est la première fois pratiquement que le gouvernement congolais conduit un processus d'appui impliquant des financements avec une telle transparence, sans susciter des contestations des bénéficiaires. La question est de savoir quels sont les mécanismes que le ministre a mis en place pour réussir cet exploit. Merci. J'ai comme l'impression que vous avez répondu à votre propre question. Merci de nous encourager parce que c'est la première fois que ça arrive. Donc ça voulait dire effectivement, on a mis des mécanismes de transparence par rapport à la sélection. D'abord, c'est ouvert à tout le monde, c'est public. Je ne suis pas trop rentré dans les chiffres tout à l'heure. Et quand nous avions lancé la campagne COPA, COPA c'est concours de plan d'action pour le jeune. Campagne lancée, il y a eu plus de 5000 jeunes qui ont concouru. Voyez-vous, c'était public, il y a eu un message radio-télévisé du ministre. Le dernier message, d'ailleurs, il est de votre serviteur, où j'invitais les mamans à se faire enregistrer. Et là, on est allé à 32 000 mamans qui se sont fait enregistrer. Et demain, après-demain, le budget nous permet d'accompagner près de 3 500 mamans que nous devons pouvoir appuyer par rapport au projet PADEM PME. Je n'ai pas évoqué le cas de PME elle-même. Il y en a eu plus de 2000 qui se sont fait enregistrer et 436 ont pu avoir des subventions de près de 75 ou moins de 75 000 à 150 000 dollars par PME. 436 PME dans quatre villes. Les jeunes, on l'a dit aussi, c'est près de 960 jeunes entrepreneurs qui ont des subventions autour de 18 000 dollars en moyenne chaque jeune. Donc, c'est la transparence, merci. Et c'est ouvert, les critères sont bien connus, vous rentrez sur le site du PADEM PME, vous pouvez voir les conditions, vous vous enregistrez comme tout le monde. Et voilà, et merci encore. Voilà, monsieur Edmond Izouba ou Benyan Emboué. Merci, Edmond Izouba, pour le compte d'opinion info.cd. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez juste nous donner la nette différence qu'il y a entre start-up et le PME? Alors, la deuxième question pour terminer, parce que vous avez inventé tout à l'heure le 430 PME congolaises bénéficiaires de cette cagnotte à travers le 4 villes. Est-ce que parmi les jeunes sélectionnés par ces projets, il y a des jeunes qui œuvrent, par exemple, je dirais, les opérateurs culturels et les opérateurs sportifs? Merci. Mmh.
Ah, vous êtes revenu pour une troisième question? Non. Ah, vous attendez votre réponse. Ah, ok, très bien. Edmond Izouba. Ouais. S'il y a des PME culturelles et sportives, cela est possible. Chacun présente son business plan dans les secteurs de son choix. Je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques dans chaque secteur précis. Cela est bien possible. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même trois secteurs principaux sur lesquels nous avons eu à travailler par rapport à ce projet. Le secteur des services, exclut le commerce, le secteur de l'industrie légère et le secteur agroalimentaire. Il est bien possible dans le secteur de services ou dans l'industrie légère, est-ce qu'il y en a déjà qui font de l'industrie dans le secteur culturel, cela est bien possible. Comme je le dis, c'est une première occasion que vous me voyez en briefing avec les médias maintenant. Nous pourrons avoir une émission plus élaborée où je vous ramènerai toutes les statistiques par secteur quand vous le souhaitez. Chers collègues, cette fois-ci, je vous promets de revenir chaque fois que vous m'inviterez sans m'y inciter. Très bien. Simple invitation. Je suis là face aux journalistes. Start-up PME, j'ai dit tout à l'heure que nous venions d'élaborer un avant-projet de loi au niveau du ministère. Nous l'avons porté au niveau du gouvernement. Il est déjà voté au niveau de la première commission dans laquelle mon ministère siège, la commission Ecofin du gouvernement. Ces projets de loi vont aller à la commission de loi du gouvernement avant les conseils de ministres. Il nous est clairement expliqué aujourd'hui la différence entre une PME et une start-up. Parce que sur le plan légal, chacun y va de sa définition aujourd'hui. On ne sait pas savoir, il y en a qui pensent qu'une PME, c'est le nombre de personnes, de salariés. Il y en a qui pensent au nombre de chiffres d'affaires. Mais il est aussi clair qu'une start-up reste bien. Ces entreprises innovantes aujourd'hui, surtout dans le secteur de nouvelles technologies. Ça, c'est une grande différence entre PME et start-up. Mais n'anticipons pas, la loi demain va éclaircir et définir clairement et faire la démarcation totale, la démarcation légale entre start-up et PME quand cette loi sera votée. Mais la grande différence entre les deux, c'est ce que je venais de dire, une entreprise innovante, surtout dans le secteur de nouvelles technologies, en ce qui concerne la start-up. Et il y en a plein hein, dans notre pays. Il y a vraiment des jeunes très ingénieux. Trouvez l'occasion de visiter l'incubateur Ishango sur Royal, à l'OPEC, de visiter des incubateurs au niveau de ITX Africa. Il y a plusieurs incubateurs dans notre ville que nous suivons, où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de start-up qui évoluent et qui ont besoin effectivement d'être encadrés, qui sont déjà encadrés et soutenus par le gouvernement. Je crois que si, pour paraphraser le ministre d'État, un exemple d'une start-up dans les secteurs de la culture, on peut parler de Basix. Je crois Basix, Narcisse Baya, a développé une application qui permet aujourd'hui de télécharger ou d'écouter de musique. Et une autre application dans les secteurs de l'éducation, on peut parler de M. Pascal Canic, avec la tablette Schoolab qui permet d'assurer des programmes d'encadrement et tout ça. Voilà. C'est un exemple de champions locaux que nous avons. Bon, on ne va pas parler du café avec Mme Tissia Mukuna, mais il y a de plus en plus des exemples de jeunes Congolais qui trouvent des solutions, parce que le principe même de l'entrepreneuriat, c'est vous avez un problème, vous donnez des solutions, vous commercialisez la solution et votre idée devient un business. C'est ça le principe. Et le travail du gouvernement aujourd'hui, c'est de nous assurer que ces jeunes Congolais qui ont des idées viennent comme dans une forme de pépinière. On les sélectionne, on les encadre. Un exemple du concours sur le plan des affaires qui a été fait dans les normes et qui a permis à beaucoup de jeunes de bénéficier des financements. On va prendre la prochaine question avec Benoît Niemboué et puis on revient, on va conclure dans 10 minutes. Donc on a quelques minutes. Excellence, moi j'ai plutôt une question d'actualité. Aujourd'hui, il y a eu crash d'un avion de compagnie Malou Aviation qui quittait Goma pour Chabunda. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus de détails? Pour l'instant, je n'ai pas encore de détails en dehors de ce que nous avons lu dans les médias. J'ai effectivement essayé de contacter
mon collègue de transport que je n'ai pas encore eu. Mais dans ce que j'ai appris, apparemment, il y avait une surcharge parce qu'il y avait le carburant. Il semble que le carburant, un litre de carburant coûte 7000 francs à Chabunda et que l'avion qui comprenait le membre d'équipage, je pense, et 3 ou 4 personnes, on m'a parlé des 5 personnes, avaient du carburant. Et donc, je ne sais pas quels sont les détails, les causes de l'accident, si c'était la surcharge ou tout ça, mais nous sommes en train de suivre. Dès que nous aurons des éléments, nous vous le communiquerons. Merci. Merci. Marlon Kachamou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ah oui. D'accord. Vous êtes sûr aujourd'hui d'arriver à atteindre les différents objectifs assignés au sein de votre ministère, surtout quand il s'agit de créer une véritable classe moyenne entre les riches qui ne font que s'enrichir par les trichements, bien évidemment, les détournements, les deniers publics, la corruption, les vols et les pauvres qui ne font que s'appauvrir par les trichements, bien évidemment, du RAM qui est en train de ponctionner les paix que le peuple a. Ou vous dites tout simplement, comme a toujours l'habitude de dire votre collègue, vous pouvez tout reprocher à ces gouvernements, sauf la volonté. Merci. Bien, merci. Je ne sais pas si toutes les questions me sont destinées, parce que je gère le PME et l'entrepreneuriat. C'est vrai, je suis membre du gouvernement, collégialité gouvernementale oblige, mais je ne gère pas les secteurs de corruption, de détournement et de vol, ni du RAM. Mais je voudrais dire que je suis sûr de mon action. Mais seulement, je ne sais pas si c'est au bout de 3 mois, 6 mois, 7 mois de fonction qu'on sait faire déjà une évaluation exhaustive des actions à mener. J'ai mission de promouvoir effectivement une nouvelle classe moyenne et je crois que c'est possible. J'ai énoncé un certain nombre d'actions que nous menons à notre niveau pour permettre à ce que demain, ces capitaux brassés par des entreprises étrangères, des multinationales, que les entreprises, les PME congolaises, soient à même de faire le travail des sous-traitances. En faisant ce travail de sous-traitance, ces capitaux sont effectivement restés au pays et nous créons une nouvelle classe moyenne. Nous avons dit que nous formons les gens en leur permettant d'accéder à une formation pour pouvoir avoir des entreprises, des PME fiables et à même de gérer leurs projets, leurs business. Et nous avons dit que nous avons mis en place des mécanismes pour accompagner ces PME, ces jeunes entrepreneurs-là, pour pouvoir avoir des moyens de booster leur business. C'est en boostant ce business-là, parce que bon, ce ne sont pas de théories. On a donné des chiffres. Et les chiffres, on en donnera encore demain. C'est en appuyant ces PME que nous avons une nouvelle classe moyenne. C'est en permettant que ces PME puissent avoir accès à ces marchés-là, qui hier étaient tenus par des expatriés, que nous créons une nouvelle classe moyenne. Là, ce n'est vraiment pas de la théorie, c'est du concret. Maintenant, s'il y en a qui volent, qui détournent, qui corrompent par là, ou qui crée de taxes. Là, ce n'est pas le ministère de PME. Merci. Je crois que c'était un peu de la provocation, parce qu'il commence par vous demander comment vous allez, ça saute aux yeux que vous allez bien. Oui. Je crois que je dois vous partager une expérience, parce que nous avons vu dans ce pays ce que était le régime du maréchal Mobutu, les gens qui étaient réputés être riches. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. L'argent ne fait pas des bébés. Ce n'est pas en allant aux responsabilités politiques que l'on devient riche. C'est en investissant dans les sociétés, en rendant des services, que vous devenez riche. Parce que vous pouvez aujourd'hui avoir accumulé autant d'argent, encore qu'il y a toujours un nivellement du fait des charges familiales, des cousins, des neveux. Et si vous parlez, si vous faites allusion aux hommes politiques, c'est une illusion. Un homme politique, dans le contexte qui est le nôtre, ne peut pas être riche. Simplement parce qu'il y a toutes ces charges qui viennent autour. Et puis, deuxièmement, parce que nous n'investissons pas.
pour devenir riche dans tous les pays du monde, les hommes les plus riches. Et d'ailleurs, lorsque Forbes fait sa classification, jamais on ne classe les hommes politiques. C'est malheureusement parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup de pauvreté, où l'entrepreneuriat n'a pas véritablement pris corps par rapport à la dimension du pays, que les gens en sont dans une illusion en pensant que les hommes politiques sont riches. En réalité, il faut le regarder lorsqu'ils quittent le pouvoir. Est-ce qu'ils maintiennent le même train de vie qu'ils avaient à l'époque? Non. Simplement parce qu'ils n'ont pas investi, simplement parce que l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fait pas des bébés. Ce qui fait des bébés, c'est des entrepreneurs qui créent des entreprises, qui commercialisent, qui étendent leurs activités et puis qui vont dans tout le coin du Congo vendre un biscuit, vendre de l'eau. C'est ceux-là qui deviennent riches. Et d'ailleurs, lorsque le président de la République parle de permettre aux Congolais d'avoir des millions de Congolais riches, ce n'est pas lundi que vous commencez, que vous devenez riche. Non. Pour gagner un million, il faut savoir gagner un dollar. Vous gagnez un dollar un million de fois, vous devenez millionnaire. Et donc, c'est un processus qui commence, comme le collègue Eustache l'a dit ici, par une idée, et progressivement vous avancez. Regardez l'exemple de Pascal Canic avec Skoulap. Il a commencé, il était tout petit, mais aujourd'hui, je crois, les chiffres d'affaires dépassent des millions. On ne peut pas dire qu'il est déjà devenu millionnaire parce que son entreprise pèse 2 millions, parce qu'il faut nuancer. Mais l'idée ici, c'est que l'entrepreneuriat est un engagement, l'entrepreneuriat est un parcours et la richesse est la conséquence justement de ce que nous faisons de l'entrepreneuriat. On va prendre les trois dernières questions ici. Eric et mon ami de Biwan. Allez-y, s'il vous plaît. Eric Isami, antenne ATV. Monsieur le ministre, je prends un cap précis. Votre gouvernement a eu le bonheur de déposer le projet de loi portant sur l'exercice budgétaire de l'année prochaine, 2022, à temps. Une première. Mais vous avez vu, la loi a été étudiée ou examinée in fine, vers la fin, à la queue de la session, alors que la session est appelée session de septembre, la session budgétaire. La question, c'est celle de savoir, vous avez parlé de projets que vous avez déjà initiés et qui se trouvent encore au niveau du gouvernement. Quelle sera votre stratégie pour prioriser l'examen de ce projet-là au niveau du Parlement? Je le dis pourquoi. Nous allons, Dieu aidant, pour accéder à l'année 2022. J'imagine que ce sera une année qui va vivre de bousculades de partout. Loi électorale, loi ceci, loi cela, parce qu'il faudra bousculer les choses de partout. Quelle est votre stratégie à vous pour prioriser ces différents projets-là pour être étudiés? Merci. On prend la prochaine question. Merci pour la parole. C'est Félix Matoudi, journaliste à Biwan Télévision. D'abord pour le ministre des PME, vous parlez du financement des PME, mais il y a une question aussi qui reste posée, c'est celui des paiements du taux d'intérêt, souvent qualifié d'exorbitant. Comment comptez-vous aider les PME bénéficiaires à payer ou à relever ces défis-là? Et pour le ministre de la Communication, c'est une question d'actualité. L'Assemblée nationale vient d'entériner les trois derniers délégués de la CENI, tous deux, Didi Manara et Agé Matembo, chassés du FCC. Comment réagissez-vous par rapport à cela ou comment interpréter cet entériment? Merci. Salut, monsieur le ministre. Moi, c'est Fiston Oleko, des Géopolis. Et ma question est celle de savoir, vous avez parlé ici des axes prioritaires que vous avez pour développer les PME en RDC. Allez-y, allez-y. Et vous avez parlé d'un axe qui est l'accès au crédit. L'accès au crédit, c'est aussi les secteurs privés avec les banques commerciales. Et nous constatons qu'il y a une crise de confiance qu'il y a entre les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs, et les banques commerciales. Quelle est la stratégie ou quelle est la politique du gouvernement pour instaurer bien évidemment cette confiance entre ces deux entités? La dernière question. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis Jean-Désiré Kanyama de Radio Capi. Le ministre d'État a parlé de 100 millions de dollars. Je m'imagine que ça ne peut pas être suffisant pour booster la classe moyenne.
Alors, je veux savoir, au niveau du gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas un projet pour une banque d'investissement de PME afin que, de relever le défi? Ma deuxième question a été posée, mais je reviens sur ça, c'est par rapport au taux de remboursement qui est excessif et c'est connu en RDC. Vous ne pouvez pas discuter avec les banques pour que ce taux soit ramené à la baisse. Et c'est là, non seulement pour les PME, mais pour les communs de Congolais, parce que c'est un problème qui se pose avec Acuité. Merci. Voilà, monsieur le ministre d'État, vous avez 3 minutes pour ramasser cette série de questions. Merci, cher collègue Patrick. Stratégie pour que les lois que nous proposons de faire voter au Parlement soient traitées diligemment. Oui, l'entrepreneuriat et le PME restent une priorité du gouvernement, nous l'avons rappelé. Ça rentre parmi les priorités de la vision du président de la République et même du gouvernement. Nous pensons qu'avant la rentrée parlementaire de mars, impérativement les lois seront déjà sur la table du Parlement. Et la stratégie, c'est d'approcher effectivement le bureau de l'Assemblée nationale par rapport à la question. Du moment que c'est une priorité, nous allons le rappeler et nous pensons que ces lois feront aussi priorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je puis vous assurer que tous les contacts nécessaires seront pris pour que ces lois soient programmées en priorité au niveau de la session de mars prochain, parce que ça rentre dans les priorités du gouvernement. Vous avez évoqué aussi le problème de financement de PME, le taux d'intérêt auprès des banques commerciales. La même question a été évoquée par M. Désiré Kanyama, qui est un collègue de classe. Nous portions ensemble des kilotes à l'école primaire, au collège Alphagérie. Ah, okay. Oui, tout à fait, cela soit dit en passant. Bonjour, cher Désiré Kanyama. Effectivement, le gouvernement, le taux d'intérêt, c'est une question de l'autorité de régulation, la Banque centrale. Ce problème a été effectivement soumis au niveau de l'autorité de régulation de la Banque centrale pour qu'il y ait des discussions à ce niveau-là. Ça a été aussi soumis au niveau du ministère, parce qu'on a dit, le gouvernement, c'est la collégialité. Il y a des discussions qui sont en cours à ce sujet-là, parce que je suis d'accord avec vous que les taux sont vraiment bien élevés, ils sont prohibitifs. Mais le FOGEC, parce que M. Dejopoulos a évoqué la crise de confiance qui existe entre entrepreneurs et banques commerciales, c'est vrai, mais le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, a apporter une solution à cette question-là en créant les FOGEC. Je le dis autant que je le rappelle, les FOGEC a notamment mission de garantir les prêts que les entrepreneurs prennent auprès des banques commerciales. Donc la crise, logiquement, ne devrait plus exister du moment que les entrepreneurs auront une lettre de garantie. C'est l'État congolais, c'est FOGEC qui garantit le prêt que moi, que Kanyama entrepreneur, pour son organe de presse, pour avoir les crédits qu'ils prennent dans une banque commerciale. Et moi, gouvernement FOGEC, je donne une lettre de garantie. Donc la crise ne devrait plus pouvoir exister. Mais je suis d'accord qu'il faut se battre pour que ce taux soit revu à la baisse. Et là, l'autorité de régulation, la Banque centrale, nous sommes en discussion et devrait nous aider à ce niveau-là. 100 millions de dollars, oui, c'est très peu d'argent pour près de 90 millions d'âmes. Pour un pays si grand comme un sous-continent. Je vous ai dit que nous sommes avec nos partenaires financiers techniques qui nous accompagnent, mais le gouvernement aussi, dans son budget 2022, en termes de fonds d'investissement, s'emploie à cela. Et je reviendrai ici dans 3 mois quand nous referons une préévaluation du début d'exécution du budget 2020. Je ne doute pas que je vous amènerai, comme ce soir, de bonnes nouvelles. Voilà. Voilà. À la petite boutade de mon ami Matuidi, je crois que nous, comme gouvernement, nous prenons acte de l'entérinement, parce que vous connaissez le souhait, le président de la République l'a dit, nous voulons faire les élections dans les délais. Il était donc temps que la CENI puisse être complète et l'Assemblée nationale
a fait, le processus a été fait tel que cela devrait être fait, donc nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire à ces sujets. Je voudrais revenir sur la question de Benoît tout à l'heure, sur l'accident de Chabunda. Mon collègue du transport m'a envoyé quelques éléments. Donc, il s'est agi d'un avion SH-360 qui est parti de Goma à 6h57 pour Chabunda, où il était attendu à 7h42. Le dernier contact avec la tour de contrôle était à 7h10. Les recherches ont aussitôt été entamées et c'est par les villageois habitant près de Chabunda qu'on apprendra que cet aéronef a crashé à 8 km de Chabunda, près du village Mangele, aux environs de la rivière Mopassa. À bord, il y avait 5 personnes, dont 3 membres d'équipage et 2 passagers, tous décédés. L'avion a brûlé, d'après les témoignages de villageois. Les causes de ces crashs seront déterminées par la commission d'enquête ad hoc qui a été instituée à cet effet. Voilà, monsieur le ministre d'État, je vous remercie d'avoir pris part à cet exercice des rédévabilités. Vous avez plusieurs fois promis que vous reviendrez. C'est essentiel de revenir, parler aux médias, pas seulement les médias, mais aussi avec le jeune pour qu'ils comprennent qu'ils font partie de la stratégie du gouvernement, mais, en tout cas. Permettez une question, mais brûle là. En 30 secondes, alors. Oui, en 30 secondes, merci, parce qu'elle n'a pas été posée comme question, mais c'est essentiel. Autant que les téléspectateurs sachent qu'au niveau du gouvernement, il y a un autre instrument pour l'entrepreneuriat de jeunes. Il ne faudrait plus que demain qu'un jeune termine son école secondaire ou l'université à la recherche de l'emploi. Nous innovons par le programme Prodige, programme de développement d'innovation de l'entrepreneuriat de jeunes. Ce programme voudrait que l'année scolaire et académique prochaine, 2022-2023, nous introduisions dans le cursus de notre formation de cours sur l'entrepreneuriat de l'école primaire. De sorte que quand on a un diplôme, on a un diplôme pas pour chercher du travail, mais pour créer du travail. Ce programme, existe, il sera implémenté et le gouvernement fait tout pour que l'année scolaire et académique prochaine, il y ait des cours sur l'entrepreneuriat. C'est autant qu'il y a des incubateurs qui doivent se créer selon des filières, selon les filières de chaque province, des incubateurs qui doivent, et des centres PME qui doivent se créer dans tous les chefs-lieux de nos provinces. C'est un programme pour 2022. Ça me brûlait à la gorge et j'y tenais. Voilà, nous vous remercions. Merci. C'est moi qui vous remercie.